Alors Adji, comment ça va? Bah ça va plutôt bien. Hein. Plutôt bien. On est même parti pour commencer à cuisiner, ça. Ah ouais, tu vas cuisiner. Ah ouais, on va cuisiner. Bah je vais cuisiner, oui. Ouais, tu vas cuisiner. C'est... Tu vas faire quoi? C'est pas très fréquent, je sais, mais là aujourd'hui, c'est une paella. Ah ouais. Alors. Paella, ça veut dire que tu étais pas là? Bien sûr. Oui. Non. Paella. Bien sûr que non. Bien sûr que non. alors on a déjà commencé à préparer les trucs, donc là on va s'y lancer. Je connais absolument pas la recette. Ouais. Donc moi je vais être surtout très bon, je serai pas au centre de l'attention, hein. Je serai très supervisé bien évidemment. Ah oui. Toi aussi tu utilises bien évidemment alors comme Julie alors. Ah oui, bah ouais. Faut bien trouver des mots de transition quoi. Ah ouais, transition, ouais, d'accord, ok. Hein, alors qu'est-ce qu'il y a pour cette paella là? Alors je découvre aussi hein, parce que personnellement j'en ai jamais fait auparavant. Mmh. C'est plutôt bien de découvrir de nouvelles choses. Mmh. Alors on a quelques épices qu'on a déjà commencé. Ouais, des oignons, de l'ail, et puis bon il y a de la chorizo ici. J'ai vu qu'il y a de l'huile d'olive aussi, il y a des moules, il y a du riz long grain incollable. Voilà, il y a un pilon. Il y a une bouteille de ruina aussi là-bas, mais bon, ça, on ne va pas le dire. Hein. Il y a des crevettes, des grosses crevettes, du poisson, et des petits cocktails de crevettes. Non, de cocktails de la mer. C'est et ça. Puis là-bas, il y a du poulet, puis du citron aussi. Hein. Et tout ça, on va le faire dans une poêle. Tu as vu la poêle là, hein? On va le faire dans une poêle comme ça. Parce que paella, ça veut dire poêlée. C'est une poêlée. C'est ça. Une poêlée. Voilà. Bon, il y a les. Nous, on va pas faire avec des cuisses de poulet comme ça se fait habituellement. On va faire avec des ailes de poulet. Des ailes et des manchons d'ailes. Hein. Voilà. Mm-hmm. Un petit manchon d'ailes. Donc, on va voir ça dans un instant. Alors. Ok. Partir prêt. Après, il y a de la tomate aussi. La tomate en boîte. Et après, j'ai oublié, il nous faut aussi des cubes de poulet. Et ensuite, ça, la tradition. Hein. Okay. Et donc, ça, c'est déjà fait. Ça, c'est une poudre de paella. Hein, ça c'est pour éviter d'aller faire toutes les épices. Voilà, on n'a pas toutes les épices qu'il faut, donc on achète des épices déjà préparées. Ah, c'est plus pratique. Plus pratique. Ça sera mieux pour moi. Ouais. Allez, bon. Ok, on y va à l'instant. Coucou. Ça va bien? Ça va super. Ça va. Oui. Et là, aujourd'hui, tu vas faire. Non. Aujourd'hui. C'est pour plutôt Radji qui alors, va faire. Alors voilà, aujourd'hui, donc, on est tranquillement posé ici à la maison. Et du coup, Radji va nous faire une paella. Ouais. Il va nous concocter cela. De la façon à Radji, oui. Et aussi à Jean-Claude hein, parce que forcément là regarder des tutos YouTube et donc on va expliquer à nous un petit peu la tout de monde il faut connaître que ma pratique YouTube exactement moi il dit la vérité moi aussi machin parce que pas elle là comme si Miguel pas fait bien sûr qu'il fait alors voilà oui, hein, on a parti sur YouTube oui. Hein, pour savoir exactement l'origine de la paella tout à fait hein, et ensuite pour savoir le mot étymologique paella. Du mot hein, paella paella ils ont une, dire, hein? une prononciation paella. Particulière paella comme la paille et là voilà paella et là de ce fait une paella elle n'est pas sèche mais elle est quand même un petit peu mouillée. En bouillon faut que ça soit en sauce hein. Ouais. Te dis bien que selon les Espagnols quand ils font une paella faut que ça soit un peu ensaucé donc en d'accord. Sauce et du et on coup, a vu tout à l'heure que paella voulait dire poêlée voilà. De fruits de mer de poissons de légumes et de avec viande aussi hein et de viande c'est aussi bon hein. Voilà. Bon ben Adji a déjà tout préparé hein donc on commence à l'apéro alors. Hein on commence par l'apéro. L'apéro. Ce serait bien de commencer par l'apéro. Et après, on va attaquer. Ah, voilà. Parce que les bonnes choses commencent toujours par les bonnes choses. Tout à fait. Exactement. Et on pas Radji. Allez, bon. Allez, on y va. Oui, comme tu veux. Session d'habillage pour tout le monde. T'as mis ton. J'ai mal mis. Non, elle est bonne, gars. Hein toi aussi. Oui. Hein, un petit peu à contre-jour comme ça. Donc, il faudra à chaque fois venir comme ça. Hein, voilà. Et moi aussi. On est bien là. Allez, on y va. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Oui, parce que là, tout est prêt. Malheureusement, on a décongelé les poulets un petit peu trop tard. Donc, le temps juste d'attendre un petit peu que le poulet. Parce que c'est vraiment la première chose à faire. Faradji, hein, dans la poêle, on va mettre de l'huile d'olive. Et dans l'huile d'olive, on va mettre du sel. D'accord. J'espère qu'on a du gros sel. Hein. Oui. Et... On dirait que tu es pressé. Il est pressé là. C'est dimanche, relaxe-toi. T'es en Faradji, hein, Moon qui non, mais attends, que m'a besoin de dire. On peut faire la cuisine en étant mou. C'est pas possible. Non, mais arrête d'être. Non, mais faut pas être trop speed non plus parce que c'est embêtant. Ah bon? Ouais. Bon, ben allez doucement alors. Voilà, faut prendre le temps dans la vie. Radji a raison. Faut prendre le temps dans la vie. Un petit coucou à toutes les malgaches qui regardent à nous. Parce qu'à Madagascar, là-bas, on dit ça mort à mort. Oui, ben ici, nous, c'est la réunion. Ah, nous, nous dit ça doucement, nous. Oui, bon, allez. Allez, c'est parti. Vous lavez un peu le feu? Je lave un peu mon feu, parce que la dernière fois, j'étais un peu tachée, un peu sale.
Elvina, oublie pas là, ça. Prochain coup, hein. Ah, oh. On a du thon aussi à la radio, hein. T'as vu ça, on a du thon. Hein. Et ça, c'est des cocktails de fruits de mer, des crevettes ici décortiquées et des crevettes entières. Voilà. Hein. Donc les moules sont de l'autre côté. Hein. Et là, on va couper le poulet. Ne te coupe pas tes mains. Non, hein. Je ne coupe pas, c'est juste que. Tu te tapes toi comme ça. Ouais, ça fait tout. Ça fait trop peur, non? En plus, le couteau là. Attends. Tiens, je vais te donner un coup près, non? Ouais, un coup près, ouais. Non, mais en fait, actuellement. Alors, je trouve des excuses. Ouais, c'est avec un gros couteau, c'est pour ça. Ouais, ouais. et tu as coupé le petit bout de l'aile? Ouais, je savais absolument pas. Tiens, regarde, montre un petit coup ce que tu as coupé comme le bout là. C'est ça, ici. Ce petit bout là. Moi, ma maman, elle fait ça tout le temps, mais je pensais qu'elle faisait ça un peu par. Ouais. Voilà quoi. Et non, apparemment, il y a une raison. Ouais, ouais. Tu me rappelles pourquoi? Parce que dedans, il y a une petite os qui pique et qui risque de t'entrer dans la gorge, dans la bouche, etc. Ok, c'est ça. Bon, je suppose, hein. Ah bah ouais, j'ai toujours fait comme ça par habitude, du coup. Hein. Voilà. Ah, ça me fait trop peur, hein. Bon, je vais te donner un coup près. Et toi, t'as déjà coupé un doigt comme ça, non? Moi, non, jamais. Ah ouais? Ah non, jamais. Julie. Oui. Hein, on a allumé le feu. On a allumé le feu. Et on va commencer. Hein. Okay. Et on va. On va commencer. Là, tu as de l'huile d'olive. Hein. Ah, c'est l'huile d'olive, ça doit être. Donc, tu vas mettre de l'huile d'olive. Voilà. On va mettre de l'huile d'olive. Mais on en met, hein. Faut pas qu'on ait peur d'en mettre. Hein. Okay. Il faut vraiment que c'est une paella. L'huile d'olive n'est pas très. Mais fasse pas santé, ça. Donc, on peut en mettre. Là, voilà. Là, c'est beau. Hein. Mais au moins, on couvre le fond. Voilà. C'est bon. On couvre au moins le fond. Là, tu vas rajouter du sel dans l'huile d'olive, hein. Ouais, c'est bon. Ah ouais, hein. Mais beaucoup plus de pincée que ça, hein. Il faut y aller parce que le sel va rentrer dans le poulet, là. Hein. Quand je fais à manger, hein, c'est que pour, les gramoules, tu vois. Pour les gramoules. Du coup, pour moi, de toute façon, les seuls trucs, c'est pas mettre un tas de sel. Ouais. Mais de toute façon, le sel, on va plus le voir dans un instant parce qu'il va en jouer. On remet l'argent. Non, c'est bon. On va rajouter après. D'accord. Super. Et tu as là, et ben, hein. Oublie pas les citrons. D'accord, hein. Donc là, je vois que l'huile commence à bouillonner, tu peux rajouter le poulet, hein. Voilà. Attention, dans le poulet, il y a un peu d'eau, donc ça risque de jaillir un petit peu. Hein. Mais tu mets tout dedans, hein. Voilà. Hein. Mais évite de vider, parce que si tu vides comme ça dedans, là, il y a un peu d'eau dans la saladière. Dans les apparences, mais apparent, ouais. Ah ouais. Et voilà. Allez-y, on va. Voilà. Tu vois comment ça sort là, hein. Allez, on y va. Doucement, j'ai une balle de partout. Et là, tu prends ta tortillère, et puis après, tu commences à tourner. En faisant attention que ça ne te tombe pas dessus. Hein. Ouais. C'est pas bien, mais... Allez, regarde, tu viens ça quand même. C'est une drôle de façon de tenir. Ouais, regarde comment Radji tient sa cuillère comme un stylo. Hein? Ouais. Montre-moi comment tu tiens ça là. Comme ça, c'est quoi la bonne manière? Je suis censé être supervisé. Ah bon, d'accord, alors non, prends-le comme quand tu prends une pioche. Ouais. Ah, c'est pas évident comment tu fais ça. Ah ouais. Je prends pas la main, je pense. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Un petit éléphant qui est tombé. Un petit éléphant qui est tombé? Ouais. Hein, et toi, tu es à l'apéro encore déjà, toi, alors? Non, je suis à l'apéro. Hein. Tu es à l'apéro, toi. Hein. Moi, j'aime bien les hommes cuisinent. Moi, je suis à l'apéro. Ils nettoient, ils rangent, ils placent et c'est bon. Ok. Voilà. Ben, c'est bon. Hein. Il a bien rangé, Radji. Hein. Oh, et ben, dis donc. Hein. Et je lave, dès qu'on a fini de les ustensiles, je lave, je remets là, comme ça. Ah, et ben, dis donc, on dirait une fée des logis. Une fée du logis. Oh oui. Ah oui, toujours. Eh ben dis donc, hein. Mais elle n'a pas dedans aussi. Un boîte. Oui. Un boîte la poudre, logis. Ah ben mets la vie. La poudre du lave-linge. Ouais, bon, ça change de couleur, hein. Ouais. Et t'as vu l'huile qui sort de la peau du poulet, ouais, et ben il va rentrer dans l'huile d'olive et ça va donner un goût. Avec le sel qu'on a mis dedans, le sel est aspiré là par le poulet. Hein. Ouais. Tu vois, c'est pas commun, de faire avec des ailes de poulet comme ça. Nous, la préférée aujourd'hui, c'est avec des ailes de poulet. Hein. Tout à fait. Pour changer un peu. On aurait pu aussi rajouter du poivre par-dessus. Non, le poivre, on va le rajouter tout à l'heure. D'accord. Tout à l'heure. Non, le poivre, il va faire briller là. Ben voilà. La cloche. À sonner.
Parce que c'est parce que bon pour le poulet, hein. Ouais, c'est vraiment ça, parce que bon. Ouais. On a oublié de dire tout à l'heure qu'il nous faut des poivrons aussi, hein. Oui. Et du persil aussi, hein. C'est ça. Voilà, donc moi j'ai déjà préparé le poivron là-bas. Le persil, je vais le chercher dans un instant. Donc on va l'arranger à notre façon, parce qu'il paraît qu'il existe autant de façons de faire la paella que, qu'il existe de personnes qui savent faire une paella. Ah oui, c'est ça. Hein, c'est ça, hein. C'est des grottes. Voilà. Et Julie, tu sais que le paella est un plat de pauvre, donc du coup, on met dedans ce qu'on a. Exactement, comme il nous disait d'antan, quand il faisait en Espagne, des repas de pêche. Il venait par exemple de retour de pêche, ça c'était pour la bouillabaisse. Oui. Pareil, c'est un repas de pauvre aussi. Mais la paella, c'est vraiment quand il restait, comme tu dis, de retour de pêche et puis de la viande. Et bien, il faisait un mélange de tout ça. Et puis, c'était vraiment le repas du dimanche. À l'origine, il mettait beaucoup de lapin. Le lapin. Ouais, ouais. Et après, ça devenait au poulet. Après, c'était au poulet. Hein, mais après, la vraie paella, c'est avec du lapin. D'accord, ça je ne sais pas. Après, il y a la vraie paella qu'on appelle la paella de Valence. Valence, la paella de Valence. Alors, il y a toute une polémique là-dessus. Alors, dans la paella de Valence, est-ce qu'on met des oignons ou est-ce qu'on ne met pas des oignons? Nous, aujourd'hui, on va mettre des oignons. Moi, je dis que c'est à l'appréciation de chacun. Si toi, tu aimes les oignons, tu la mets dans la paella. Si tu et puis pas, après, comme disaient quelques personnes qu'on a rencontrées, eh ben, la paella, chacun fait à sa façon. Hein. Chacun fait à sa façon. Et puis, moi, je rajouterai même du cotomili pour mon côté exotique à moi. Tout simplement. Ça dépend de mon encore. Eh oui, Miador, fais ça. Mais bon, on va le faire, hein, tout à l'heure. Hein. Bon, Radji, c'est bon, toi? C'est bon, ça va. Donc, je t'ai mis un bol là, ici. On peut le desservir. Mais pour le desservir, non, on ne va pas faire comme ça, parce qu'on va changer de cuillère. On va prendre une cuillère avec des trous dedans, hein, pour éviter de ramener toute l'huile. Hein. D'accord? Mais bon, je vais chercher ça. Là, tu vas changer de cuillère. Tu as une cuillère avec des trous dedans. Ouais, là, ça s'appelle comment, une cuillère avec des trous dedans? Ça s'appelle une spatule avec des trous. Non, ça s'appelle une cuillère avec des trous. Ouais, ben c'est et ça. Tu sais à quoi ça sert? Attention. Tu sais à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ben, les personnes qui vont se bronzer au soleil là, ils mettent ça sur le visage, moi comme ça ils gagnent taches et godasses. Voilà, les petites taches de rousseur. Les petites taches de rousseur. Voilà, tu appelles ça comme des petits caca moustiques. Voilà, ou bien caca moustique. Hein. Oui. Mais sinon on peut pas te passoir aussi, si tu dis à quoi ça bronzer, hein, ou bien caca moustique aussi. Non, hein. Moi ça ira, on peut très bien mettre ça et faire semblant de mettre un petit peu de. Les petits points noirs là, le crayon. On peut prendre ça, utiliser Ali et puis faire Donc Radji, là tu t'essayes, hein. Tu réserves, pardon, tu réserves sur la marmite et tu réserves là-dedans. Hein. Allez, tu peux y aller. Hein. Même s'il reste un petit peu d'huile, c'est pas trop grave, hein, t'inquiète pas. Hein. Hein. Là, il faut baisser le feu, à mon avis. Hein. Je baisse un petit peu le feu là, hein, parce que sinon, ça va continuer à cuire et c'est pas trop bon. Hein. Voilà. Le fameux débat Radji, hein, entre le pilon et le calou. Selon toi, quel est le pilon, quel est le calou? Pour moi, le pilon, c'est ça. Ça, en bas. Et le calou? Le calou en haut. Ouais, on est d'accord. Pour moi aussi, c'est pareil. Ouais, hein. Ouais, mais celui qui pile, c'est le pilon, non? Donc peut-être que ça, c'est le pilon. Et ça, c'est le calou parce qu'il cale. Pour piler, ouais. Hein? Et ça, c'est le contenant et le calou. Celui qui garde. Non, mais en fait, là, hein, ça, c'est comme la paella. Chacun dit à sa façon, chacun fait à sa façon. Okay, hein? Sans jugement. En tout cas, je tenais à remercier l'association qui nous a fait ce pilon. Oui. Il y en a d'autres aussi là-haut, à Bassin-la-Boue, que vous pouvez observer. Hein. C'est vraiment magnifique, c'est un travail d'orfèvre, moi je le dis comme ça, hein, parce que c'est vraiment bien taillé. D'ailleurs, il y a de l'huile de tournesol dans pour ce noircir, parce qu'au départ, ce n'est pas une couleur il avait qui est cette naturelle. Couleur, là. Voilà. Il avait cette couleur-là au départ. Et donc il me l'a dit. Il a noirci à l'huile de tournesol. Et c'est juste magnifique. Voilà. Et donc on remercie l'association Ville Animée de Saint-Suzanne. Hein. Voilà, qui nous a offert un ensemble de pêcheurs aussi. Voilà. Et avec son président, Johnny Gavrama. Tout à fait. Donc merci vraiment à toutes ces personnes et à l'association de nous avoir fourni ces magnifiques cadeaux. Donc tu vas le tester là avec de l'ail. On va le tester avec de l'ail. Radji a déjà sorti tout le poulet. Donc on a de l'ail ici, des oignons qu'on va faire revenir dans un petit instant, mais comme on va rajouter de l'ail tout de suite, hein, donc on va commencer à piler le l'ail. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de piment, tu crois? Non, jamais. Ce n'est pas nécessaire. Non. D'accord. Alors, Radji, si tu peux me donner l'ail, s'il te plaît. Voilà. Hein, je vais le piler de ce pas. Et après, on va hacher le persil après tout de suite. Alors, est-ce qu'on rajoute un peu de gros sel dedans? Là, il y a peut-être un petit peu trop. C'est pas gros sel, ça, non? Si, c'est du gros sel, ça. Ouais, du gros sel. Non, je peux rajouter un petit peu. C'est pas du gros sel. Mais là, pour piler avec tout ça, là, tu crois que tu vas réussir, là? Ça va pas sauter un peu partout, là? Comme c'est pas piment, ça va. Ah, ouais. Un peu ma rajoute de sel. Ah, c'est un doigt, un bon peu d'affaire dessus, ça. Tu sais comment j'appelle Julie, moi? Sapin Noël. Sapin Noël.
Oh, c'est méchant. Alors, moi, je trouve ça très joli quand même. Attends, j'ai pas fini. Moi, je suis la déco et lui, c'est le sapin. Comme j'ai dit, je veux un sapin qui est bien fourni, bien vert et assez grand. Les bons. Parce que bien grand, bon, voilà, mais assez grand. Les bons. Les bons, donc, où est mon sapin, à même le déco, il pose dessus. Ah, vous, c'est la guirlande, alors? Non, moi, c'est toute la déco. Toute la déco. Toute la déco. Ok, d'accord. Voilà. Bon. Alors, il est bien pilé? Ça va? La première fois qu'on utilise un radien, ce pilon-là. Donc, on ne sait pas encore. Hein. Donc, à mon avis, ça doit être bon. Hein. Il est bien, hein, pour aller très vite. Hein. Et puis après, quand on pile comme ça, le goût est meilleur que quand on mixe dans une machine. Ah, ça, je ne sais pas. J'ai toujours pilé. Là, on écrase. Alors que de l'autre côté, on ne les coupe pas. Hein. Et quand on écrase, ben, y a toute la saveur qui remonte. Hein. Voilà. Et pourquoi ils s'afflorent un petit peu là? Ah, t'as mis des petits... Là, on s'en bâtonnait d'ensemble parce que mamie aime bien. Déjà, pour les fruits de mer, moi, je mets toujours un petit truc comme ça, les bons. Ouais. Quand on a fait mon carré poisson, on m'avait mis, mais il était caché, donc on ne l'a pas vu. Et puis, ça permet aussi de chasser un peu les mouches si jamais elles veulent venir. Allez, va tes rétro Satanas. Comme il dit comme ça. Où c'est ça? Quand on fait l'exorcisme. Ah bon. Non, voilà. On dit aller voir à Tombouctou si je suis. Tombouctou si je suis. Voilà. Voilà. Tombouctou, c'est une ville d'Afrique. Mais une vraie, hein, qui existe. Hein. En fait, pour parler d'éloignement, bah, tu connais le terme, toi, l'expression quelqu'un qui vient de Tombouctou, il est parti à Tombouctou. Voilà. C'est pour dire que quelqu'un va loin. Va loin de moi. Va loin de là où tu ne te retrouves plus. Va à Tombouctou. Bon, je vais chercher le PSI, moi, parce qu'il manque le PSI, là. Est-ce qu'on rajoute un peu de sel, là? Non, parce que dans l'huile, normalement, il y a beaucoup de sel. Ouais. Et on va goûter tout à l'heure aussi. Hein. Alors, mon ail, moi, je pense que c'est bon. On n'a pas besoin d'écraser beaucoup. Non, pas besoin d'écraser beaucoup. Hein. Parce que c'est authentique et c'est comme ça que la saveur, elle va vraiment être prononcée dans la paella en ayant été écrasée à demi-mot. Voilà. À demi-mot. Tu vas écrire une chanson le jour prochain. Ah oui, hein. On va faire des rimes, hein. La scène est-elle saine? Les Jeux Olympiques. Alors, tu vas aller aux Jeux Olympiques de Paris? Tu m'emmènes? Non. Okay. Non, tu sais pourquoi? Parce que je pense que c'est assez dangereux. Donc, du coup, il y aura beaucoup de monde. On les laisse aller, on regardera la télé. Mais même déjà, au niveau de la sécurité, là, on disait qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes qui assuraient la sécurité. Ça, c'est la partie opposant au gouvernement en place. Alors, qui on dit entend ça, extrêmement hein, alors que de choses. Le président dans les médias a fait son allocution en disant que tout sera mis en place. Et d'ailleurs, il a même dit qu'il allait se baigner dans la Seine pour prouver que la Seine a été traitée, etc. Alors, bien qu'il y a eu des ingénieurs qui ont mis en place un système pour pouvoir purifier, fluidifier, mais pas toute la Seine parce que c'est impossible. Mm-hmm. Donc, pour fluidifier, pour faire ce travail dans quelques années, que la Seine soit praticable, oui. 360 millions d'euros pour pouvoir construire une citerne de désengorgement et de dépollution pour la Seine. Et cet investissement-là va servir notamment pour ces Jeux Olympiques, là, mais ça va servir aussi par la suite, parce que par la suite, la Seine sera baignable. C'est depuis un certain temps où elle disait qu'à partir de 2025, on pourra se baigner dans la Seine. Voilà. La Seine sera propre, elle sera bleue, exactement comme l'eau de la piscine. Ouais. Voilà. À voir, parce que franchement, tu as des scientifiques qui sont encore passés pour faire des tests et tout. On te dit que ça reste, surtout quand il y a des fortes pluies, ça reste impraticable. On ne peut pas rentrer dans la Seine. On ne peut pas. Ouais, mais bon, on verra. Hein. On verra. Hein. Bon, je vais chercher le PSI parce que depuis tout à l'heure, je vais chercher le PSI et on attend toujours le PSI. Le PSI, il t'attend peut-être aussi. Ouais, peut-être qu'il m'attend. Allez, on n'a pas planté de PSI ici. Hein. On rajoute les oignons dans l'huile qu'on a fait revenir le poulet. Hein. Tout à l'heure, c'est l'huile qui a toujours du sel dedans. Tout à fait. Voilà. Hein. Radis, peut-être 37 cuillères. Voilà. Pour pouvoir mélanger bien et faire suer un petit peu les oignons. Hein. Tu sais l'expression faire suer les oignons. Hein. Non, pas du tout. Par contre, moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'était. Je savais quand ils étaient cuits, c'était quand ils étaient transparents. Je sais pas si ça. Oui, mais là, il ne faut pas trop attendre parce que comme ils vont cuire encore parce qu'on va rajouter direct, tout ça. Hein, on n'attend pas grand chose et on rajoute maintenant les choses qui vont cuire un petit peu plus vite. Hein, et on va rajouter donc tous les. Mais là, il y a un peu d'eau peut-être dedans, donc tu vas peut-être prendre avec la main, hein, parce qu'il y a un petit peu d'eau dedans. Ça, c'est un cocktail de fruits de mer. Hein, ça prend un petit peu de temps parce que c'est quand même assez dur. Hein. Non, tu lâches dedans, il va se fondre. Hein. Il faut aller vite parce que là, sinon, ça, les oignons, ils vont griller. Hein, parce que là, il faut ramener de l'eau un petit peu dans ces cocktails-là. Hein, qui est un petit peu chargé d'eau, hein, et c'est cette eau-là qui va permettre que l'oignon ne grille plus. Hein. Voilà. Hein.
Okay. Voilà. Allez. Là, c'est bon et on mélange tout ça. On mélange tout ça. Et on laisse cuire un petit peu. Tu vois, ça commence à s'estomper le bruit. C'est à cause de l'eau. Hein. Ah, c'est ça. Un peu de persil à l'intérieur. Hein. Voilà. Pour qu'il ait un petit peu de goût. Là, je mélange, bien sûr. Alors, juste pour avoir un peu de couleur là. Et là, on va rajouter tout de suite les poivrons. Hein? Ok, super. Là, tu rajoutes le poivron. On a eu des petits poivrons qui ressemblent à des piments. Hein? Mais c'est des poivrons. On a de toutes les couleurs. On a du rouge, on a du vert. Et là, on va laisser monter un petit peu. Peut-être forcer un petit peu. On va forcer un petit peu le feu, peut-être. Ouais. D'accord. Voilà, là, tu vas saler un peu. Hein? Parce que on a goûté, il n'est pas assez salé. Hein? Comme tu peux, à mon avis. Ouais, donc un petit peu. Hein? Voilà, et là tu vas poivrer aussi. Non, tu tournes, ça fait un moulin ça. Voilà, bien poivré. Ça va, hein? Là c'est quoi tu as dans ta main là? C'est du romarin. C'est du romarin. On va rajouter un petit peu de romarin à l'intérieur, pas beaucoup, mais tu vas grainer un petit peu de feuilles de romarin. Hein? Ça c'est innovateur ça. Ben, oui et non, hein, parce que. Oui, elle va avec le romarin dans la paella. Là tu vas aller chercher mamie? C'est mamie Charlotte, bien sûr. Mamie Charlotte qui est malade, qui a refait encore un petit tombé, qui s'est cassé la jambe maintenant. Voilà, mais en tout cas. Elle n'a pas de chance. Hein. Non, mais ça va aller. Et puis, mamie, on te souhaite tout le bon rétablissement qu'il faut. Tu es forte et tu vas aller de l'avant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, hein. Un petit mot pour mamie, toi? Ah, mamie, mamie, je suis partie la voir, je suis resté 3 petites heures avec elle là. Ouais. Ah, mamie, elle est plus gaille à quoi en fait. Ah bon? Bon, il y a 2 mois, elle se casse le bras. Et là, elle se casse la jambe dans une grande surface et elle glisse sur du riz. C'est sur du riz. Du riz peut-être qu'il faut faire attention quand même dans les grandes surfaces parce que bon, ben là. Oh, c'est un accident. Oui, c'est un accident, hein. D'accord, mais par contre, il faut vraiment être sensible par rapport à ça. Il faut que les sociétés de nettoyage nettoient assez rapidement. Mais il faut passer assez fréquemment quand même. Quoi. Voilà, hein. Donc elle a glissé sur du riz dans une grande surface, elle est tombée, elle s'est pété la cheville. Combien de points de soudure? 17 22 agrafes. 22 agrafes. Donc, dans le genou. Quoi te dire quand même que ça a été. À 78 ans, ça fait un peu mal. Hein, la douleur, mais moi-même, j'avais mal pris comme un câble, mon Dieu Seigneur. Donc, non. Voilà. Donc, on continue, ça avance. Maintenant, on va rajouter des choses au fur et à mesure. Parce que là, on n'a pas rajouté les tomates, parce qu'on va rajouter des tomates dedans. Hein. Oui. Normalement, on utilise de la tomate en boîte, là. Hein, mais nous, on a dit comme on a un peu de tomate fraîche qui traînait là et qui arrivait. Tu peux rajouter un peu de purée de tomate si tu veux. Oui, voilà. Et ah oui, mais Raji, tu as aussi des cubes de poulet là, à mettre dedans. Hein. Ouais, voilà, je te laisse mettre cubes de poulet dedans. Ah oui, d'ailleurs. C'est les cubes de poulet. Voilà. Hein, on en a pris 2. Hein, il faut écraser un petit peu quand même. Voilà, il faut écraser un petit peu comme ça, mais D'accord. Hein, voilà. Hein. Voilà, je te laisse les mélanger bien. Hein. Voilà. Dedans, hein. Parce qu'on avait pris de la tomate en boîte aussi, mais on a préféré utiliser de la vraie tomate. Hein. Tout à fait. Voilà. C'est mieux au niveau du goût, mais après aussi la tomate en purée, c'est pas mal aussi. Il faut le faire. Là, on va laisser la tomate un petit peu cuire. Et après, on va rajouter donc des crevettes, le poisson. Et les crevettes fraîches. Et les crevettes fraîches, ça va être pour la déco. Hein? Voilà. Ça va être pour la déco. Hein? Mais là, il ne faudrait pas qu'on oublie de rajouter ça. De rajouter ça. Et ça, c'est la poudre de paella qu'on rajoute dedans tout de suite. Hein? Le sachet, c'est ça? Ouais, le sachet entier. Le sachet. Hein? Voilà, tu n'es pas appuyé bien. Et c'est elle qui a donné cette couleur. Un peu spécial et ce goût qui est ce goût de la paella. Hein. Tu sais, avec cette astuce là de petits sachets déjà préparés, on peut pas ne pas réussir une paella. Hein. Voilà. Hein. Donc, tu as bien mélangé. Allez, vas-y énergiquement. N'utilise pas la cuillère comme un stylo, mais exactement comme un instrument de travail dans les champs par exemple. Hein. Jamais raté, surtout. Ah si. Ah bon? Ah, vous connaissez pas? Pour une fois, Radji dit un mot au créole. Elle ne nous connaît pas. Parce que Radji ne parle jamais créole. Hein. Non, c'est pas. C'est... De plus en plus. Hein. De plus en plus, tu parles un peu créole maintenant? Oui, bah, vous venez en tout temps de mes mémés. Ah ouais, voilà. Ouais, t'as fait avec mes mémés, oui. Voilà, là c'est bon. Donc on va rajouter les crevettes tout de suite.
C'est une jolie couleur vraiment. Voilà, ah, c'est une jolie couleur. Hein. Ah, quand couleur, tu rajoutes les crevettes, même si tu n'aimes pas les crevettes et que tu es un petit peu allergique aux crevettes, ça va. Tout à l'heure tu vas les trier au moins. Voilà, hein. Ne mettre pas trop d'eau, voilà. Hein. Évite l'eau. Hein. Parce que là, voilà, on mélange tout ça. Hein, on a de la viande de poisson aussi, de la chair de poisson. Hein, c'est du thon. Tout à fait. Thon rouge, ouais. Hein, qu'on a pris. Hein, qu'on va rajouter tout de suite dedans, Roger. Hein, on ne perd pas de temps. Hein. Voilà, et là on étale bien. Hein. On étale bien tout ça. Et de toute façon, ça va cuire avec le riz. Hein, de toute façon. Hein. On étale bien, on homogénise un petit peu partout, hein, on met de la viande, tout ça partout. On va baisser le feu là, hein, parce que sinon ça va devenir sec. Donc on va baisser le feu, on ferme le premier robinet et le deuxième robinet et on laisse le robinet du milieu, hein, en activité. Hein. Et là, on va rajouter le poulet. En espérant que la marmite n'est pas trop petite. Hein. Ah, mais pensez un peu petit mois quand même. Ah non, ça va aller. Hein, on rajoute le poulet ? Ouais, bien sûr. Hein, le poulet, il est là. Hein. Le poulet, on va récupérer quand même des petits bois. Un petit peu pour les enfants qui ne veulent pas voilà. Manger de la paella. Hein. On va mettre la dedans. Voilà. On va rajouter le poulet dedans. Hein. C'est le poulet du coup. Ouais, on le met dedans comme ça. Hein. Après, le poulet, on met tout, hein. Ouais, tout, là. Même son huile aussi. Hein. Voilà, là, tu mélanges un petit peu. Et ouais, voilà. Et là, on a baissé le feu là. Hein. On a baissé le feu. Ouais. Hein. Et là, on va rajouter le riz. D'accord ? Tu étales bien. Normalement, on dit qu'il faut étaler en trois, mais après, bon. Étaler en trois ? Ouais, c'est une technique, hein, mais bon. Voilà, on l'étale bien par-dessus, comme ça, oui. Fais une croix. Ouais, tu fais une croix. Hein. Okay. Il paraît que c'est la technique des Espagnols, ça, hein, à faire une croix avec le riz. Hein. Donc, ça, tu me prends bien. Voilà, tu cordes un peu, encore. Ouais. Parce que ça va gonfler un peu après. Allez, on met tout peut-être. Hein. Il n'y avait pas un kilo, ça, il y avait au moins 500 grammes, je crois. Là. C'est mieux que je mette tout quand même. Oui, on met tout. Allez, on met tout. Si ça gonfle un peu, on verra après. Là, c'est bon. Voilà, là. Ah, c'est bon. Allez, on étale tout ça. Hein. Okay. Bien, on mélange tout ça. Et là, on va faire un petit bouillon de l'eau avec un petit peu de safran dedans, hein, pas beaucoup. Et là, on va arroser avec ça après. Et puis, on va laisser cuire. Hein. Ouais, super. Un peu d'eau dedans pour que ça cuit. Voilà. Ah, c'est bon, hein, ça va bouillir un petit peu, ça va déborder un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. Là, on a forcé un petit peu le feu, on laisse monter tout ça en ébullition, et dès que ça commence à être en ébullition, eh ben, on baisse le feu et on laisse cuire tranquillement. Hein. De toute façon, ça, c'est un riz qu'on appelle les incollables. Hein, les incollables. Hein. Donc, ça veut dire que ça prend pas beaucoup de temps ça pour cuire. Hein. Ah, bah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Hein. Bon, c'est joli à ce stade-là aussi. Alors, ça va ? Ah oui, Raji, tu t'es bien débrouillé avec ton papa, bravo. Hein. Vous avez fait une belle paille là. Hein. Mmh. On est contente. Oui. Ah, il n'est pas fini. Hein. Ouais. Il nous faut encore la déco dans un instant. Hein. Eh ben, on va laisser cuire. Et après, on rajoutera dans un petit instant. Enfin, il ne faut pas laisser. Oui, mais il ne faut pas laisser bien cuire hein, parce qu'il faut que ça cuit aussi ouais. Et que les moules s'ouvrent. Hein. Et pour faire ouvrir les moules, il faut de l'eau chaude. Il faut de l'eau chaude. De l'eau chaude. Voilà. Maintenant, donc, tu vas rajouter les moules dedans. En les piquant comme ça, de les placer dans la paella. Il faut bien les enfoncer un peu parce qu'il faut que ça s'ouvre. Parce qu'il y en a qui sont pas. Un peu de bouillon, un peu d'eau, non ? Non, c'est bon, sinon ça va déborder. Là, on est juste limite là. Hein. Justement, c'est parce que c'est trop petit, mais peut-être rajouter un peu. Non, on verra d'après à la cuisson. Si le riz n'est pas cuit, là, on va rajouter un petit peu. Ah oui, un petit peu je pense qu'il faut rajouter un peu. Après. Il y a une façon. Mais c'est un riz qui cuit vite, ça. D'accord. Il y a une façon assez classique de disposer ça ou bien je peux faire. Non, tu le fais comme tu veux. Vas-y, comme tu en fais de la déco, hein. Voilà. Au feeling, ouais, exactement. Ah, j'espère être à s'inspirer. Là. Ouais. Ok. Là, tu vas rajouter les crevettes. Hein. Les crevettes, tu fais ta déco, hein. Tu t'arranges. Hein. Hein. Voilà. On les met au milieu, apparemment. Au milieu, généralement. Donc, mais fais comme tu veux, fais comme tu sens. Hein. Ah ouais. Ah ouais, tu fais comme tu veux et comme tu sens.
je me sens pas spécialement inspiré. J'aurais dû faire un truc en étoile, ça aurait été magnifique. Ah ouais, mais c'est pas grave. J'ai fait un rond. Je pense qu'il y en a qui seraient peut-être un petit peu inspirés que moi, mais peut-être. Ouais. Ah, tu as tout rajouté dessus, hein. Bon, il y a peut-être un peu trop de crevettes, mais c'est pas grave, on va pas jeter, hein. Ouais, donc là, on a mangé pour une quinzaine de personnes, là. Hein? Voilà. Alors, on attend que ça cuit un petit peu encore, parce qu'on voit que ça bouillonne toujours un petit peu ici, comme ça. Voilà. Les moules vont s'ouvrir dans un instant. Hein? Et après, ça va aller. Ça va le faire, hein? Bon, là, on est presque arrivé, presque en fin de cuisson, il ne reste pas grand chose, donc on va rajouter le chorizo. Ouais. Hein, on va rajouter du chorizo de porc, hein, je crois. Hein, oui, hein. C'est des chorizo de porc, hein, tu reviens. Chorizo de porc, ici la poêle bœuf, c'est porc, maman. C'est porc. Voilà. Hein. Après, pour les musulmans, ben, désolé, mais à nous, c'est porc, et nous, les pâtes de poulet, c'est le porc chorizo. Voilà. D'accord. Chorizo au poulet, n'existe pas, mais crois pas. Hein. Peut-être, qui sait, hein. Voilà, donc tu mets un petit peu de déco comme ça dessus, puis après... On était mis trop, là. Non. Ouais, pas beaucoup, ouais. Parce que bon, il y en a, hein, mais... Il y a esquisse, rien. Parce que là, ça va prendre un petit peu d'huile, hein, et après ça devient, on va le mélanger après avec le riz, comme ça. Après. Ça me donne envie de goûter un petit peu tout ça. Hein. Tu veux goûter? Et le citron, on n'oublie pas. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ah bon, hein, juste on va à la fin, hein, pour la déco. Hein. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai envie de goûter, hein. J'ai envie de goûter, mais le riz est pas trop cuit. Bon, encore un petit peu de cuisson dans le riz, hein. Donc on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Je tenais en tout cas aujourd'hui à remercier Raji pour ce fabuleux plat qu'il a fait pour nous en ce dimanche. Voilà, en ce dimanche. Hein. Et merci beaucoup Raji de ta gentillesse, de ta patience et de ton goût pour la cuisine. Et tu as fait plaisir aujourd'hui à nous tous et surtout à ton papa. Donc merci beaucoup. Ah, merci et tu m'as fait plaisir à moi aussi parce que franchement tu as fait ça avec... Arrête, il va pleurer là. Voilà. Moi pleurer, c'est quoi ça? Je suis... Voilà, tu ne connais pas. C'est l'enfant de la maison, ça te Bon, et quand on dit aussi gros bisous à toi ma chérie, hein, voilà. Okay. Quand ils étaient avec nous, mais quand ils disent cheveux, ils sont pas bien, donc tu peux l'attendre là. Parce que quand ils veulent faire des cheveux rouges comme toi là. Voilà, donc on va aller faire des mèches ensemble, des mèches rouges. Et après c'est quand ils qui cuisinera. Et après quand ils disent en voyage, en vacances, quand on ira. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Là il dit d'accord parce qu'il a dit pas de téléphone. Quand on ira en vacances la prochaine fois, je te ramène avec moi, on fera une petite cuisine toutes les deux, toi et moi. D'accord, ok. Super, ma belle. Raji, entre temps, tu vas couper les citrons alors, hein? C'est ça, ouais, pour la suite. Voilà, donc on coupe en deux alors. Fais attention à tes doigts parce que ce couteau-là coupe bien. Oui, hein. Il coupe très très bien. Ouais, ouais. Hein? Fais attention, on t'en fait pas. Couteau italien. Hein? Que ça, c'est des Italiens, ça. Nous, c'est espagnol, italien, nous, il y a ouais, couteau italien. Hein? Oui. Il vient, il sonne sur le portail, là, il doit comme ça. Est-ce qu'on peut acheter des couteaux dans sa voiture? Hein? Bon, coupe quoi, ces Italiens? Ok, je coupe. Donc c'est bon là, c'est parfait comme et ça. Et tu les mets comme voilà, ça. Voilà, donc tu en as encore là. Dans ce petit bol là, plutôt c'est mieux. On les réserve à temps, c'est sûr. Un minimum dessus pour que le riz qui est en surface puisse cuire. Hein. Voilà. Voilà. Bon, je te laisse avec ça parce que c'est, ah oui, non, c'est toujours galère avec ça. Hein. Bon, attends, moi je perds patience avec ça. Moi. Bien maintenant. Ouais, après, il faut écraser les bords bien. Ah, on sent que la chaleur est contenue. Là. La chaleur est contenue là, hein, à l'intérieur. Hein. Est-ce que c'est bon comme ça ou c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout est cuit. Et ça a pris quand même une heure, presque une heure de cuisson. Arrêtez. Mais un petit feu, petit feu. Je vais de l'autre côté parce que là, vous êtes un peu noir. Vous avez un contre-jour là. Ben voilà, arrêtez, là, c'est mieux. Hein. Noir, non, pas noir, je l'ai encore. La réunion, t'es quand même. Mais bon, les bons. Voilà, rajoute dessus. Alors là, on a mis le citron. Raji, franchement, ta paella, elle est magnifique. Non, mais à goûter, tout est bon. J'adore, c'est la magnificence de la cuisine. Pas cuisine créole, mais cuisine espagnole. On plein des mots, des grands mots. Ah oui. Ah ouais, ça me fait plaisir. Hein. Ah mais tu es flattée, très chère, hein, n'est-ce pas, hein? Ah non, mais quand elle est jolie, faut là, dire. Elle est bien. Hein. Franchement. Belle paella. Le goût est bon. Maman a goûté, le goût est bon. Mais après, qui n'arrive pas à réussir une paella? La sauce, pardon, tout est déjà prêt. Mais il y en a beaucoup qui peuvent pas faire une bonne paella. Ah non. Raji, toi, c'est la première fois? C'est ma première fois, oui. Et alors, t'as vu?
c'est pas compliqué. Voilà. Non, mais c'est parce que j'ai été supervisé, bien sûr. Voilà. T'as été supervisé. Et pourquoi? Parce que monsieur ton papa aussi s'est bien fait à cuire la paella. Mais quelqu'un comme moi, on par exemple. On dit pas paella. Oui. On dit paella. Qu'importe. La mais paille quelqu'un, qui est là. Quelqu'un qui ne sait pas faire une paella, d'accord, tu vas regarder sur internet, mais des fois le goût n'est pas forcément là. Ouais. Faut dire les choses comme elles sont. Elles m'ont salé. Des fois, on avait pas. Et là, on n'avait pas tous les ingrédients encore là. Alors, on dit à tout le monde ou bien on dit pas? On peut dire si vous voulez, mais dire, quand même, faut dire le secret peut, comme peut, ça. Non, on peut dire, non, pas le secret, la petite comment on peut dire ça, Radji? La petite truc qu'on a fait qui n'était pas conforme à. Je n'étais pas là. Non, quand on a rajouté du sel au départ dans le sucre. C'était dans du l'huile. Sucre. C'était du sucre, on s'est trompé. M'avait dit ou que le goût, mon sel, m'avait dit. Mais bon, après, on l'a rattrapé après. Mais franchement. Ici, mais les au garçons, départ, bravo, dans l'huile, on a rajouté du sucre au lieu de ou du sel. On s'est trompé. Mais le goût est bon. Franchement, votre paella est donc peut-être que la prochaine fois, je rajouterai encore du sucre dans ta paella. Dans l'huile, hein, parce que toute la vie était pas mauvais, non? Ah, c'était pas mauvais. Hein, voilà. Et c'est un petit peu comme la tarte tatin, c'est un accident. Bon, bah, c'est grâce à moi. Avec les sœurs tatin. C'est grâce à moi, tu peux me remercier. Ils ont bousculé la tarte est tombée, renversée, et ils ont créé la tarte tatin. Demain, on dira la paella au sucre. De Radji. Voilà. Je peux me dire merci parce que c'est moi qui ai mis le bocal ici. Tu mets des bocals de sucre exactement pareil, et en plus sel. Sucre blanc, et exactement à côté du sel. Ou t'es pas goûté un petit peu avant, comme à la goûter, on goûte pas le sel. Bon, c'était l'erreur de ça, mais le goût est très très bon. Le goût est là, c'est authentique, c'est tout ce qu'il faut. Alors on va la mettre à l'intérieur maintenant dans la maison, on va la déguster. On va manger à l'intérieur parce qu'il fait un peu chaud à l'extérieur. Tout le monde transpire. Oui. Et puis après, on se quitte ici. On se quitte ici même. On va dire à Zod, gros bisous à tout le monde. Bon appétit en famille ou même entre amis. Voilà. Profitez de chaque moment de la vie parce que c'est important. Et à toutes les personnes que les malades ou que les à l'hôpital ou que les tout seuls, mis à Zod, bon courage. Nous là avec Zod par la pensée. Et mis souhaite à Zod à tous les malades un bon rétablissement. Et un gros bisou aussi à mamie Charlotte. Je te fais un gros bisou. Et ça va aller. Et voilà. C'est d'accord. Juste un mauvais moment à passer, comme on dit. D'accord, Rachel, voilà. Un petit mot pour finir. Bien sûr, on m'a enlevé les mots de la bouche, donc j'ai pas grand chose à rajouter, mais. Salut mamie, bisous. On t'aime. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Rachel, pour cette paella aujourd'hui. Et quand on dit souci, t'es avec nous. Oui. En off. Voilà, et gros bisous aussi à Ishriani. Ishriani, je t'aime beaucoup aussi. Voilà, et toute la famille, à Pavou, Goubasumi, toute la famille, maman, papa, gros bisous à Zot, Miam, à Zot. Voilà. Allez, bon, ok. Bon, on finit sur cette paella, on se retrouve la prochaine fois. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Radji avait un petit mot aussi à dire après. J'ai pas de petit mot, mais. Pour la famille, pour maman, pour mamie, rétablissement pour mamie, pour mémé, pour toute la famille, pour toutes les personnes à l'aide de la Réunion, pour toutes les personnes âgées et que du bonheur. Voilà. Tout simplement. On vous envoie des ondes positives. Bien sûr, c'est ça.